to the dark side. I wanna be your left hand man. J'ai enlevé ma casquette. Il fait chaud, 35 de ressenti. Pas chaud. Il est rendu, il est midi en plus, midi pile. Dans le fond, on sort du Costco. On a eu une nuit de marde. En fait, ma mère qui s'est réveillée genre 10 000 fois. Parce qu'il voulait qu'Anthony soit là. Fait que. C'est ça. Ça me réveillait à chaque fois. C'est ça. Mais au moins, il s'est réveillé à 9h ce matin. Fait que il a rattrapé. Hein. Mais moi, je me suis quand même levée à 6h35 parce qu'on est vendredi. Fait que Jaden avait de l'école. Fait que c'est ça. Je suis rouge. Hein, j'ai chaud. On sort du Costco, comme je vous disais, mais là Anthony est rentré. On a vu que les fusils à l'eau qu'on a la chasse comme, il y a 2 semaines. Il était en rabais, puis c'est comme 7$. Fait qu'il va se faire rembourser 7$. 7$, c'est 7$, comme je vous dis. Moi, je regarde tout le temps les spéciaux au Costco, puis on achète toujours des trucs en spécial. Là, ça a peut-être l'air intense là, en ce moment, mais c'est parce qu'on a une grosse table d'eau qu'on a achetée. Parce que oui, j'ai acheté une nouvelle table d'eau. Notre table d'eau a... Hey, on se calme! Notre table d'eau a genre... Bon, notre table d'eau a genre 5 ans. Ben oui, mais moi, pas très bien. Puis... Oui, je la vois. Ben, t'es loin, toi. Ouais, notre table d'eau, elle a 5 ans, puis dans le fond, le module en tant que tel, comment c'était fait au milieu... C'est genre, c'est comme des ponts d'eau. Bref, ça fait que ça se nettoie vraiment mal. Puis là, je trouve qu'après 5 ans, tu sais, il y avait des bouts plus bons qu'on avait enlevés. Enfin, c'est ça, il y a comme, mettons, de l'eau qui restait à certains endroits. Fait que bref, j'ai pas envie qu'il y ait comme du moisi et tout dedans, là. Fait que après 5 ans, elle a fait l'affaire. Puis on a acheté une nouvelle qui est, ben, une grande, là, qui est sortie au Costco. Puis moi, pour vrai, genre, l'été passé, même Jaden jouait avec, tu sais, il y avait 5 ans. Fait que ma fille qui voulait jouer avec, Amanda, elle veut jouer beaucoup, puis il est quand même là. Fait que ça dure longtemps, parce qu'ils peuvent jouer avec plein d'affaires là-dedans. Là. Fait que c'est ça. Ça a coûté 300 quelques piastres, 310 peut-être. Et puis on a arrêté au McDo avant. J'ai goûté au nouveau smoothie. Je pense que c'est fruit de la passion pêche. Je le trouve très bon. Fait que c'est ça. Là, j'ai écrit. Là, vous voyez peut-être, c'est la coquille de Camilla. Elle n'est pas installée pantoute, là. Elle est juste. Ben, en fait, elle est montée, mais elle est là. Mais pas. En fait, il a tout déplacé pour rentrer la table d'eau, là. C'est ça. Fait que, on a notre coquille. Maman! Quoi? Ma vraie, peux-tu arrêter de la déranger? Bon, je serai pas à la maison. Alors, il fait vraiment extrêmement chaud. Il fait chaud. On envoie la climatisation. Ça fait 2 jours. Fait que je vous montre qu'est-ce qu'on a acheté au Costco. Fait que premièrement, il y a la table d'eau. Fait que c'est une table d'eau Step 2. Je pense que c'est la même marque qu'on avait. J'ai regardé ailleurs. Elle était combien là? Elle était 79. Puis ailleurs, elle était comme 120 peut-être. C'est tout genre. C'est ton Toys R Us, là. Que, pour vous montrer, c'est quoi le modèle qu'ils ont cette année. Fait que c'est ça. Oups. Ouais. Fait que, non, j'ai pas de glace. Fait que c'est quand même une grande table d'eau avec un module ici avec de l'eau qui tombe. Ça vient avec les petits jeux. Fait que. Non, il n'y a pas de glace là-bas. Fait que voilà, on a acheté ça. Je savais pas ça aujourd'hui, souvent demain. Ouh, que on a acheté ça, fait que c'est juste ça, c'est ça, c'est cher. Anthony a pris des poitrines de poulet. J'ai pris 2 paquets de fraises. Dernièrement, ils étaient quand même très bonnes au Costco, fait que. Mais ça ne bat pas les fraises du Québec, que j'ai vraiment honte. On a pris un méga. Oh my god, écoutez, je suis même pas capable de le lever. Un méga melon d'eau, il était 14$, ok? Mais il avait l'air vraiment bon. Puis il est vraiment gros. J'ai vraiment hâte que ça soit le temps des melons d'eau en espérant que ça soit comme moins cher. Mais là, j'avais vraiment le goût de melon.
Jaden, cette semaine, nous a dit qu'à l'école, il y avait des amis qui avaient des bords molles avec genre du fruit dedans. Là. Je sais de quoi il parle. C'est plus ceux qui sont comme plus... Que je sais qu'est-ce qu'il parle. Là. C'est comme... Il y en a beaucoup au Costco. Là. C'est plus cheap, mettons, que ça. Mais je pense que... Comme il y en a 32, ça revient à un bon prix. Même si c'est comme plus cher. C'est autour de 15$. Fait qu'il y en a 16 au bar aux figues aux framboises et 16 bar aux figues aux bleuets. Fait que j'espère qu'il va aimer ça. En tout cas, c'est ça qu'il a demandé. C'est vraiment juste une épicerie pour se renflouer de petites choses. Ben, surtout pour la viande, pour Anthony, pour les repas. Des craquelins. J'avais des craquelins de betterave, il n'y en avait plus. Mais patates, je trouve qu'ils goûtent genre la même affaire. Puis, dans le fond, il nous reste un humus à passer. Ça vient en paquet de deux. Fait que, ben, je pense en tout cas qu'il nous en reste un. Fait que c'est pour ça que j'ai pris les craquelins. Parfait, laisse-le là, ma belle. J'ai pris des... Ben, Anthony nous disait que les plasters, c'est pas mal ce gros kit-là, genre. Sauf qu'il nous reste juste les moins fréquemment utilisés. Puis il y avait 5$ de rabais, on les a pris, hein? Oui. OK. On va demander à papa après sa douche. J'ai pris des nouilles parce qu'ils étaient en rabais. Elles sont vraiment bonnes. Ouais. C'est comme 4 sous. On va mettre un plastic. Papa est dans ma couillère. Un plaster, oui. Après la douche à papa, OK? Ça, c'est tellement bon, là. Le trio de salami, il est en spécial. Il y a hongrois. OK. D'été, puis fines herbes. C'est super bon, là, pour vrai. Fait que je suis en rabais. Puis, il y a chez... la dinde hachée. On a acheté ça aussi, qui était quand même 35$. C'est la marque H2O. Ça ressemble à ça. Fait que c'est un tapis, genre d'eau. Eux, ils disent genre mini pataugeoire. Ça se met au tuyau d'arrosage. Puis ça fait comme des jets d'eau. Je sais pas si vous pouvez voir, là. Ouais. Puis c'est 35$. Puis c'est quand même, tu sais, c'est 11 pieds. Fait que c'est quand même grand. Je me dis que les enfants vont aimer ça. Tu sais, on a quand même un été... à la maison, dans le sens que Anthony ne travaillera pas, moi je ne travaillerai pas, fait que c'est ça, tu sais, oui, on a des vacances de prévues, mais tu sais, ça commence tout un mois après que j'aille accoucher environ, là, fait que c'est ça, on va être fait à la maison. Il m'avrait qu'on le retire de la garderie le 21 juin, j'ai donné fini l'école le 22 ou 21, je sais plus trop, fait que c'est ça. Je me suis dit, on va rééquiper un petit peu. Ben, rééquiper. Nouvelle table d'eau puis nouveau jeu de même. Et yogourt grec nature. Fait que voilà, c'est tout. Tout qu'on a acheté, je pense. Ouais. Mais c'est ça. Je sais pas, une grosse épicerie, mais c'est des trucs à faire. Il est rendu 3h30. Fait qu'Anthony, avant d'aller travailler, il a été. Changer les pneus hein, pour nos pneus d'été ben, sur notre Mitsubishi. Puis là, c'est ça. Là, les enfants voulaient jouer au fusil à l'eau. Faut qu'on est sortis dehors. Mais ils veulent jouer, mais ils veulent pas se mouiller entre eux. Fait que. C'est ça. Je sais pas combien de temps ça va durer. Moi, faut que je voulais ramasser un peu le patio. Là. Depuis hier, il y a plein de. Genre de cochonneries d'arbres. En tout cas, des petites affaires de même. Là. Genre partout. Là. C'est dégueu. Ouais. Bon, il est rendu 5h06 et ça fait 15 minutes qu'on a commencé le vendredi au cinéma. Fait que les films ont choisi les enfants ont choisi les incroyables. Puis dans le fond, j'ai des bonbons et tout ça. Puis ben, là, ils vont même souper devant la télé. Fait que là, ma fille qui veut, j'ai un restant de pâté chinois cookie. J'ai un restant parce que j'avais donné comme la moitié en une chocolate. J'ai donné vœu du. Poulet Tao. Et Amanda est en train de manger un pain au beurre d'arachide, puis il y avait juste genre des viandes froides. Fait que c'est de la dinde. Voilà. Anthony travaille aujourd'hui, puis le week-end. Là, j'ai déjà donné les touches. Ils sont rentrés dehors. Mais là, c'est parce qu'ils veulent que je reste assis avec eux pour le film. Mais moi, j'avais l'intention de genre tout faire le ménage, la cuisine, couper le melon, couper les fraises. Fait que. Je me suis fait un.
je me suis fait un café. Ouais, je me suis fait un café, il m'en reste un peu parce que j'ai ma pince s'est pétée. Je me suis pas fait de café de la journée, fait que je chantais vraiment vraiment. Et je prépare vos repas. Je prépare vos repas. Je te veux pas, je parle. J'ai coupé mes deux plats. Oui. Qu'est-ce qui est tombé? J'ai coupé mes deux morceaux de fraises. Je me suis fait. En fait, c'est juste la limonade du Costco. J'aime bien avec le tétazo, mais je trouve qu'elle est vraiment bonne pour celle-ci. Puis là, j'ai coupé du melon, mais c'est ça que je vais faire. Fait que j'ai vidé de mes plats les raisins qui me restaient. J'ai mis la genre de poudre de Jell-O sans sucre. Je vais les congeler parce que ça en vient comme un petit peu mou. C'est full bon dans le congélateur. Là, c'est ça, vous allez entendre les enfants jouer derrière, mais je suis vraiment contente parce que j'ai coupé tout le melon. Et écoutez, il est délicieux. Alors, je suis vraiment contente du 14$ parce que il est vraiment bon. Anthony s'en vient souper à 7h. Puis il me dit qu'il va manger du melon parce que je lui ai fait déjà deux bols de melon. À mon temps, on m'a fait de manger aussi. Parce que je suis vraiment contente parce qu'il est délicieux. Vous devinerez pas le setup de quoi vous êtes. Il est à peu près 9h. Je suis comme vraiment fatiguée. Genre après m'être levée, mettons, si je me lève toute la semaine, mettons, pour aller porter Jaden. Peut-être que j'ai juste plus d'énergie en ce moment. Puis là, j'ai arrêté de prendre mon fer. Ça fait 2 semaines. Parce que supposément, mon fer était rendu correct. Mais je me demande si genre... T'sais, quand ils m'ont pris en prise de sang, ça faisait juste 24 heures que j'en prenais plus. Bref, mon niveau d'énergie est bas, puis je sais que je consomme pas beaucoup de fer parce que je mange très peu de viande. Puis pas full, mettons, des brocolis, t'sais, ce qui contient du fer. Fait que c'est ça. Mais là, je vais vous montrer mon trop beau cadeau de fête des mères d'Anthony. En fait, je m'étais fait un panier. Souvent, je fais ça, des paniers sur Sephora, mais j'achète pas. Et là, l'autre jour, j'étais comme, ah, à fête des mères, mais c'était pas voulu. J'ai dit, oh, j'ai un gros panier. Puis, je voulais m'acheter vraiment la crème solaire sur le site de Sephora. Mais ça coûte cher. Puis, comme, mais, je vais te l'acheter. Genre, ton cadeau de fête des mères. Je suis comme, ok. Fait que j'ai comme, tout commandé que j'avais dans mon panier. Fait que je vais vous montrer ça. Et là, ben, vous avez même pas vu, mais... C'est parce que je vous montre même plus ma chambre parce que, pour vrai, on a comme détruit notre lit. En fait, c'est comme notre lit, là, en tant que tel. Quand on l'a déménagé de l'appart à notre maison, il y avait comme un morceau qui avait cassé. Fait qu'il y avait un autre morceau qui a cassé à la longue. Ben, bref... il est comme tout démonté puis tout, puis le hyper beau lit que j'ai acheté, que j'ai même pas montré en vidéo, mais j'avais montré sur Instagram, que j'ai acheté chez Must, je vais l'avoir genre en juillet. J'ai hâte, mais bon, fait que c'est ça. Puis là, il y a même la bassinette, mais qui est comme plein de trous dedans, genre ça a vraiment pas rapport. Ma chambre est un bordel, parce que c'est ça. Puis j'ai comme vendu une coupe de vêtements de maternité. Et j'ai full de vêtements, là, comme le show est venu, comme soudainement. J'avais même pas fait le switch de mes robes d'été, robes d'hiver. Fait que là, après vous avoir montré tout ça, j'ai descendu mon bol de melon d'eau. Je vais manger ça en écoutant l'île de l'amour, puis en faisant mon ménage, parce que là, je veux comme pas garder de vêtements que je serais pas confortable cet été. Comme là, j'ai remis cette robe de rose maternité là, qui est comme faite pour allaiter. Puis là, parce que je suis comme rendue plus dans l'âge de rose maternité. Puis j'en ai tellement, mais c'est des médiums. Fait que je veux les réessayer comme elle, même si c'est une médium, elle fait très bien. Fait que, en tout cas, je vais tout faire ça tantôt. Tantôt, mais je suis fatiguée, comme je vous dis. Fait que bref, je vais vous montrer... ma commande Sephora. Fait que je voulais cette crème-là. C'est de Supergoop. La Unseen Sunscreen. Puis il me semble que c'était Jade Molina. La première que j'ai vue en parler. Mais je sais plus si elle avait cette version ou l'autre version qui est comme qui donne la brillance. Mais c'est ça. Je l'aime vraiment beaucoup. J'ai pris le gros format.
qui est... c'est ça, j'ai pris le gros format. Parce que là, premièrement, l'autre jour, j'ai été chercher Maverick à la garderie. Puis c'est des choses qui m'arrivaient pas avant. Là, maintenant, on a deux autos. Il n'y a plus de problème avec ça. Hey, mais écoutez, je vous dis, il était à comme 20 minutes la maison. Fait que, mettons 40 minutes aller-retour. Et ça m'a pris genre 1h25 à cause qu'il y avait full trafic. J'ai pogné un coup de soleil. J'ai pogné un coup de soleil, genre, parce à cause du toit ouvrant, là, que j'allais faire. Écoutez, le soleil frappait fort. C'est ça. Avant, ça pouvait pas vraiment m'arriver. Mais maintenant, je conduis, puis il y a le toit. Fait que, c'est ça, je voulais être la crème solaire. Surtout qu'enceinte, ben, c'est la peau, tu sais, tu peux faire des passes de grossesse et tout. C'est du FPS 40. Je l'aime full, full, full. Fait que là, ça fait déjà comme 3 jours que je l'utilise à chaque matin. Et j'ai pris... J'avais vraiment besoin d'un truc pour fixer le maquillage. Fait que j'ai pris de Charlotte Tilbury. Tilbury, c'est ça le nom? Je me rappelle... Ouais, Charlotte Tilbury, c'est genre mon premier produit de sa marque. C'est un genre de fixatif que tu peux mettre avant ou après ton maquillage. Moi, je le mets après. Et il y avait des full bonnes revues. Il y a vraiment une odeur intense, c'était écrit, mais l'odeur est... Tu sais, moi, ça restait pas. Je me maquille vraiment rarement. Comme... Je suis rien. Je suis pas maquillée. Ben, c'est pas vrai. J'avais mis juste dans mes sourcils, mais écoutez, je me suis full essuyée la face, fait que... des bouts qui sont partis. Mais maintenant, l'autre jour que j'ai été prendre mes photos de maternité... J'ai hâte de voir ça puis de vous les partager. J'ai mis ça puis il faisait vraiment chaud pour mon maquillage. Il est très bien tenu. Fait que voilà. J'ai deux masques. J'aime bien ça les masques. Puis là, je suis vraiment... Genre, j'ai plus beaucoup de masques. Là. Je suis au fond de mes deux tubes qui me restent. Puis c'est ça, je voulais tester ces deux masques-là. Fait que j'ai le de la marque Fenty Skin de Rihanna, le Cookie and Clean, fait que c'est un masque purifiant pour le visage, fait que je l'ai même pas ouvert celui-là, l'emballage en tout cas il est vraiment beau, fait que je vais peut-être tester ça tantôt, ouais, tantôt demain, je sais pas, fait que ça, fait que j'ai vraiment, ah puis autre sorte de masque, de Summer Fridays, puis ça, je crois aussi que c'est Jade que je l'ai déjà vu le mentionner, c'est le Jet Lag Mask. Fait que c'est un masque qui est comme hydratant, mais je me suis dit que pour l'été, ben oui, l'été, j'ai la peau plus grosse, mais en même temps, si tu prends du soleil, genre, t'as besoin quand même, tu sais, d'hydrater le visage. Fait que ça pouvait être bien, puis ça disait que tu pouvais vraiment l'appliquer comme un masque ou tout simplement comme genre, crème de nuit, tu sais, masque de nuit, genre, que tu mets avant de dormir. Je l'ai mis l'autre jour avant de dormir, puis ma peau était vraiment belle le matin. Fait que voilà, j'ai ça ici. J'ai pris ça, je capote. C'est de la compagnie Pharmacie, et c'est le Green Clean Bone Démaquillant Fondant. Et ça vient avec une genre de petite mini spatule pour prendre ton produit. Puis j'aime tellement la texture, fait que ça a l'air de ça. C'est quand même, c'est vraiment comme un baume. Puis je l'ai utilisé justement quand que j'ai fait mon shooting photo parce que je m'étais full maquillée. Et ça a démaquillé vraiment bien. J'ai fait ma peau hyper propre après ça. Fait que voilà. Et les deux autres produits que j'ai pris, je les ai pas testés encore. C'est des... parce que j'ai regardé les ingrédients. Je sais pas si je peux les utiliser là comme je suis enceinte. C'est de la marque The Ordinary. Fait que c'est des produits qui sont vraiment pas chers, mais supposément vraiment bons. Fait que j'ai commandé le Buffet Sérum de Peptides. Fait que celui-là, c'est pour l'hydratation de la surface de la peau, les rides, les ridules, les rides dynamiques et les irrégularités de texture. Fait que, tu sais, ça a l'air de tout. Puis je pense que c'est comme 16$ celui-là, peut-être. Puis l'autre, je pense qu'il était 12$. Là. Fait que c'est vraiment pas cher. C'est le acide ascorbique 8% et alpha-arbutine 2%. Puis celle-là, c'est pour l'hyperpigmentation, les taches brunes, le teint irrégulier et les signes de vieillissement. Fait que on voit qu'est-ce que je cible. Le vieillissement de la peau. Parce que, écoutez, je sais pas si vous vous rappelez que j'avais fait une fois des injections en mai l'année passée. Fait que ça fait un an. Ça dure genre 3-4 mois. Puis je n'ai... si vous n'avez pas écouté mon live, vous ne le savez pas, là, mais j'ai vraiment pas aimé la sensation dans la
dans mon visage, genre, de ça. Fait que, écoutez, je sais que j'en ferai pas plus tard. Puis Marie du Lion, mettons, elle me gosse. Fait que, on va utiliser les produits pour aider ça. Mais, ouais, c'est ça, si vous avez pas vu mon vidéo. Genre, je me sentais comme si j'étais congestionnée en tout temps. Puis c'est vraiment pas que c'était mal fait, c'était bien fait. C'est juste que je me sentais pognée, genre. Parce que je suis quelqu'un qui est quand même très expressive, d'où ma ride profonde. Puis, genre, ça marchait pas, là. Genre, j'étais vraiment comme. Je me sentais pognée à chaque fois que je m'exprimais. Fait que c'est ça. Mais pas les lèvres, par exemple. Les lèvres, j'avais aimé ça, mais bon. En tout cas. Fait que c'était ça ma commande, mais. Puis j'ai des petits échantillons, là, que je vais tester. J'ai un échantillon, là, concealer de Anastasia. C'est celui-là que j'avais demandé. Puis j'avais demandé aussi le Daisy de Marc Jacobs parce qu'il me semble, je le mets. Et j'ai pris un petit échantillon de Glow Recipe Avocado Melt Eye Sleeping Mask. C'est. Puis je vais juste vous dire parce que j'ai acheté ça l'autre jour. Où je me fais les ongles. Et c'est le l'eau auto-bronzante pour le visage de Nuda. Je l'aime vraiment beaucoup. C'est vraiment un super produit pour vrai. J'avais vu, c'était Emily sur YouTube qui l'avait utilisé. Puis je trouvais que ça faisait full un beau teint. Et elle avait le. Pas le foncé, elle avait l'autre. Mais c'est ça, quand j'étais à ma. Faire les ongles et voir les produits, mais il en restait juste du foncé. Puis en fin de compte, ça fait bien là. Je l'ai mis sur le visage. Je l'ai mis une fois, mais ça fait 3 jours, genre. Puis j'en ai encore. Mais sur le reste, mettons, mes bras. Puis ici, je fais celui en mousse que j'avais. Mais avant, j'utilisais même celui en mousse quand j'en faisais sur le visage. Mais ça fait vraiment mieux. Fait que c'est ça. Je vous dis bye bye. À la prochaine.